tous t'entends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera simplement le build d'un petit buggy, je pense. Alors, j'ai pas encore d'idée précise des plans ni autre chose de sincèrement précis, mais j'ai une proposition d'un ami à moi qui m'a proposé de faire un buggy. Donc, je comptais le faire une fois que le mode avec les engrenages aura fini de sortir de la part de Grégo. Mais je me suis dit que quitte à faire, autant en faire un maintenant et après en refaire un plus tard. Du coup, là je vais vous laisser le temps que je fasse les bases et je vous reprends tout de suite après. Re tout le monde. Du coup, voilà. Donc je viens de faire à peu près l'arrière. J'ai fait un petit système de pont classique, hein, avec les mods, c'est toujours plus facile de toute façon. Donc système très 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 classique, mais qui fonctionne bien. Donc là pour l'instant j'ai le châssis central, vous voyez, et comme vous pouvez observer il sera vachement remonté, c'est ce que je demande avec un buggy. Vous voyez, truc ici là, plié à 10 degrés, au moins je suis sûr que le truc il est au maximum. De toute façon après suspension je vais les ramollir. Je vais les mettre à 2 je pense. Je vais mettre à 2 ou un truc dans le genre, je vais mettre du poids à l'arrière mais en sorte que ce soit bien mou, comme n'importe quel buggy. Et je vous propose qu'on se retrouve pour la suite et peut-être que la carrosserie elle-même, je la ferai en direct avec vous. Bon, à toute. Re tout le monde. Donc, j'ai beaucoup avancé parce que j'ai un pote qui est venu, du coup, je pouvais pas trop rec. Du coup, voici le début. Donc, l'arrière est relativement cheap. Je compte un peu faire des trucs qui ressemblent à du renforcement. Donc, l'avant, je me suis vraiment éclaté. Comment dire? Beaucoup d'articulations. Voilà. Par contre, après, qui permet d'avoir une solidité vraiment bonne. Donc là, j'ai deux types de suspensions. J'ai une suspension comme ça là et comme ça là. C'est juste les points d'articulation en fait qui est différent. Et je vais garder celui-ci. Donc, il me manque circulation à entièrement refaire. Voilà. Le mécanisme, je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo. À l'arrière, ça reste relativement simpliste. Donc, je vous propose qu'on continue ça par contre en direct. Donc, alors, hop. Hop, voilà, déjà l'arrière c'est mieux. Voilà. Juste mettre un peu plus de résistance. Voici, comme ceci. Tac. Du coup, nous avons déjà l'arrière qui est très très bon. Donc, alors, l'avant, 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 l'avant. Alors, normalement, j'avais un problème de soudure à un endroit. De toute façon, oui, 360 à faire. Du coup, je vais refaire la suspension avec vous. Hop là. We'll be right back.
ben je vous propose qu'on se laisse ici. Alors, comme d'hab, vous allez voir apparaître juste ici le petit du sondage, en gros, pour vous demander que voulez-vous pour le prochain épisode. Donc, ce sera, donc en fait, les choix sont, vous pouvez observer en haut, soit un build en direct, soit un timelapse, soit présentation de véhicule, soit avancement du garage, comme vous voulez. En sachant que le prochain, c'est réservé déjà pour les 4x4, j'ai déjà eu une demande en commentaire dans la dernière vidéo. A plus pour le prochain épisode.